Bonjour à tous, aujourd'hui on se retrouve dans la quatrième vidéo de la Christmas Week. Donc aujourd'hui je vais vous montrer comment réaliser une chaise miniature. Donc j'espère que cette vidéo vous plaira et je vous laisse avec la suite. Pour commencer, vous aurez besoin de brochettes en bois que vous allez couper en petits morceaux. Donc 4 suffisent pour une chaise, moi j'en ai fait 8 pour en faire 2, mais voilà, pour faire les pieds donc de la chaise. Et ensuite vous allez mesurer toujours sur votre baguette 2,5 cm, donc 2 bâtons et 2 bâtons de 2 cm pour faire le carré de la chaise, et vous allez les couper à l'aide d'une pince coupante et ensuite limer les bouts pour que ce soit plus lisse à l'aide d'une lime à ongles ou de papier à poncer. Une fois que vous avez vos 4 petits morceaux de bois, vous allez venir former un carré avec. Donc vous mettez les deux grands en haut et en bas et les deux petits sur les côtés, et vous allez assembler le tout avec de la colle. Pour réaliser le dossier, vous allez prendre deux morceaux de bois identiques. Donc pour les tailles, moi j'ai fait à l'œil, vous faites à peu près proportionnel, et vous allez donc les coller au-dessus de la chaise sur deux coins. Puis ensuite vous allez prendre un petit bout de bois de bâton d'esquimau que vous avez préalablement coupé et limé, et vous allez le coller sur le dossier. Les pieds de la chaise, vous allez prendre 4 petits morceaux de bois, donc comme au début, et vous allez tout simplement les coller sous la chaise. Et ensuite, vous venez couper des petits bâtons d'esquimau, donc vous coupez les bouts arrondis et vous les limez pour que ce soit tout doux, et ensuite vous les placez sur la chaise à l'aide de colle. Votre chaise telle qu'elle, mais moi j'ai décidé de la peindre avec de la peinture acrylique marron. Et donc voilà pour cette vidéo, j'espère qu'elle vous aura plu. N'hésitez pas à me donner votre avis en commentaire, et moi je vous dis à demain pour la dernière vidéo de la Christmas Week. Bye tout le monde!